Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage, unboxing comme on dit, d'un produit high-tech alors qui vient pas de Chine, que j'ai pris sur Amazon. Mais écoutez, voilà, je voulais voir ce que ça donnait, donc je voulais partager ce moment avec vous, bien sûr. Comme d'habitude, hein, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, partager la vidéo, me mettre un pouce bleu comme d'habitude, commenter, et puis voilà, on est de plus en plus nombreux et je vous remercie. Je remercie notamment tous les anciens, hein, qui me suivent depuis longtemps et ceux qui nous rejoignent. Non, mais allez, je retrouve juste après les jingles pour suivre ce déballage ensemble. On va ouvrir le paquet. Alors, il y en a qui vont rire, hein, forcément, parce que dans nos jours, c'est vrai que c'est pas assez répandu, on va dire. Donc, il s'agit en fait d'un Blackberry. C'est le Blackberry Leap. Donc, c'est un produit qui est vendu en fait à moins de 100 euros, tout simplement. Donc j'ai trouvé ça intéressant de vous le faire partager. Donc là on voit en fait, ici on a toutes les langues BlackBerry, donc l'année de sortie 2015, donc on voit que c'est pas un téléphone qui est récent, c'est un téléphone qui doit avoir 2 ans, mais ma foi qui peut être intéressant pour vous. Voilà, donc bah on va dire package basique, hein, tout simplement. Le truc est scellé, voilà, avec le logo BlackBerry. Donc le téléphone est neuf. Voilà, donc il se présente comme ça. On va regarder ce qui est dans le package, mais il ne faut pas s'attendre à des miracles. Rien, il n'a rien à voir. Donc, comme tous les téléphones qui sont vendus en Europe, un kit main libre, hyper cheap. Bon, je vais pas l'ouvrir, hein, bon, je vais l'ouvrir quand même, parce que sinon vous allez me dire, ouais, t'as pas ouvert. Donc, ouais, c'est pas terrible, quoi. Et... Jack 3.5. Bon, ça mérite au moins d'être là, hein, forcément. Donc, je vais remettre ça. Proprement dit. Donc on n'est pas sur Android, hein, là cette fois-ci je découvre en même temps que vous, parce que il fut un temps je n'ai eu un BlackBerry avec clavier, vous savez, intégré dans un ancien travail que je faisais, mais bon, moi je gérais rien, hein, il était paramétré avec le compte de la société. Voilà, donc un câble. Du BlackBerry aussi, logo T, oui, je pense. Il est costaud le câble. Alors, le câble est costaud, logo T BlackBerry. Oui. Donc, micro USB 2, pas mal. Et ici, le chargeur européen. Éclaté. Donc logo T également BlackBerry qui est donné pour du donc pour voir ça. Vous voyez, donc il est logo T BlackBerry. Punaise. Pff, oh, ça va être quelque chose pour voir ça. Même là comme ça, là je vois rien. Ampères. Donc je pense pas que ça soit un compatible chargeur. Donc c'est ce qu'on a dans le package. On va mettre ça comme ça. Je prends mon temps, hein, vous me connaissez. À la veille du week-end, j'aime bien être pépère. Hein. Non, comme ça. Voilà.
Donc là, c'est toutes les docks. Mais le téléphone lui-même est beau. Hein. Voilà. Ça sert à rien. Là, c'est le même en plusieurs langues. Ça sert à rien. La garantie. Bon, c'est du blabla, quoi. Voilà. Et là, donc, on est sur le Snapdragon. Donc, c'est noté en allemand. Donc là, il vous dit en fait qu'il est compatible micro SD et SIM. Donc, on peut étendre la mémoire. Donc, c'est un peu un design à la Sony, Sony, quoi. Donc, la matière arrière est agréable. Alors ça, on va laisser ça comme ça. C'est très agréable de toucher. Donc on a ici un capteur de 8 millions de pixels. C'est du silicone doux là. Ici en bas, on a le port micro USB et le micro principal. Là donc on a le logo BlackBerry, bien sûr, forcément. Alors, voilà, comme ça. Et hop, comme ça, c'est mieux. Oh, le jack 3.5 micro d'ambiance et là, l'allumage. Donc là, tac. Voilà, on rentre ici la micro SD, micro SIM et micro SD. Donc ce qui est bien, c'est que voilà, vous n'avez pas besoin de pin ni quoi que ce soit. Les haut-parleurs, logo BlackBerry. Ah, donc là, il y a trois boutons. Marrant. Ouais, c'est marrant. Donc volume plus moins, et puis je sais pas, il y a un autre bouton. Est-ce que c'est par là que ça s'allume? Oui. Ouais, qu'il y a une petite LED qui s'allume. Voilà, BlackBerry. Donc il y a un film de protection. Je vais voir si on voit de travers. Puis je vais. Si on voit pas, je l'enlèverai. Voilà. BlackBerry 10OS. Donc je sais pas du tout, alors là j'ai pris ça comme ça, mais je ne sais pas du tout ce que ça donnera, hein, honnêtement. Mais normalement on peut mettre des applications Android, c'est pour ça qu'aussi je l'ai pris, parce que on peut bidouiller dessus, ce qui est plutôt pas mal. Donc BlackBerry qui est connu pour faire, on va dire, des téléphones sécurisés. Donc la matière est très très agréable. La prise en main est propre. Vous voyez ici, il est arrondi. Ce qui facilite vraiment la prise en main avec cette, cette matière, on va dire. Bon, je vais peut-être couper et puis je vais revenir une fois qu'il aura démarré. Téléphone, on voit qu'il est multilangue. Putain, qu'est-ce que j'ai fait, bordel. C'est pas possible. Oh. Punaise, j'ai mis une sacrée langue de merde. Français. Voilà. Ouf. Suivant. Ouais, mais je vais peut-être enlever ça parce que ça a commencé à me gaver. Ok, j'accepte. Wi-Fi. Très beau, hein, franchement. Voilà aussi, je vais l'enlever. Magnifique avec cette petite barre. Puis 8 millions de pixels autofocus. Alors, je vais mettre mon Wi-Fi et je reviens. Aussitôt. J'ai mis mon wifi. On va suivre la suite. Comme ça, vous allez louper aucune étape. Connecté. Voilà. Alors, même moi, j'ai pas de BlackBerry identité. Bon, on va en créer un compte.
Bon, je vais créer mon compte BlackBerry et je reviens aussitôt. Continuer. Comment quitter une application en haut. Pour faire quitter l'application sur le bord inférieur de l'écran, faites glisser votre doigt vers le haut. Voilà. Donc voilà l'écran d'accueil. Alors, pour quitter l'horloge, touchez un bord du bas de l'écran et faites glisser vers le haut. Bon, voilà, c'est chiant. Hein. Vous avez réduit l'application. Là, c'est pour quitter, ouais, ça va faire un peu bizarre parce que j'ai pas l'habitude de ça. Donc là, on a les écrans, l'écran d'accueil ici. Donc là, c'est les notifications. Voilà. Donc là, verrouillage de la rotation, réseau, Bluetooth, alarme. Lampe torche, voilà derrière, pas de souci, contrôle, mode sommeil, etc. etc. Box, ouais, YouTube, donc voilà, Facebook, donc Amazon, App Store d'Amazon, donc on a un App Store ici, accepter initialisation, ce qui est plutôt pas mal, on va pouvoir télécharger des applications. Une appli offerte chaque jour. Continue. Bon, on verra plus tard. Donc là, vous voyez les appels, les machins. BlackBerry identité configurée ici. Donc là, c'est les applications. Alors au niveau des réglages, je voulais voir les réglages avec vous, parce que je ne vais pas m'attarder, je vais prendre le temps pour le découvrir. Parce qu'à mon avis, il y a pas mal de choses, moi je ne m'y connais pas, paramètres, voilà. On a les paramètres ici, mode avion, réseau, notification, volume, compte, voilà, paramètres, affichage, gestion des données, langue, BlackBerry, tac, BTR, gestion des applications, mise à jour logiciel, recherche mise à jour. Donc la version logicielle 10.3.2.2474, pourquoi pas. On verra plus tard. Stockage. Donc 16 Go de stockage, 2 Go de RAM, c'est noté ici. Donc extensible bien sûr par micro SD. Interaction avancée. Option de paiement, carte de crédit PayPal. À propos, on est bien sûr sur le BlackBerry. Voilà. Pourquoi pas. Donc là, on peut fermer ici. Et là, on va faire une petite photo. On va faire une petite photo ici. On va prendre le pirate de mon fils. Oh, bizarre, hein. Utilisation en photo, on dirait que c'est bleuté. Ouais. Automatique, 16 neuvième, on va mettre 4 tiers. Là, HDR, compteur, paramètres ici, détection des visages, on va se mettre sur la carte multimédia, ok. Stabilisation vidéo, donc on a la stabilisation, ce qui est plutôt pas mal.
coïncide dans la qualité. Tac. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal pour un 8. C'est pas mal. Donc voilà, bah écoutez, c'était donc le déballage du BlackBerry Leap. Voilà, c'est pas nouveau, c'est pas récent, mais j'ai trouvé ça intéressant de vous le présenter, à moins bien sûr 200 €. Je vous mets un lien d'achat dans la description, bien sûr. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, de mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Je vous retrouve après quelques jours, quelques semaines d'utilisation pour faire le point de ce BlackBerry Leap. Allez, bisous à tous, à bientôt.